Merci beaucoup. Comme vous le savez, c'est le major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Il est exactement 17h passé de 22 minutes et nous sommes le 24 juin 2022, le vendredi. Je suis venu vous donner de plus amples éclaircissements à ce qui concerne le soi-disant massacre de Konkou. Comme vous le savez, on nous a accusés par certaines personnes de mauvaises intentions. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le M23 aurait massacré des dizaines de populations dans la localité de Konkou. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comme vous le savez, toute cette coterie-là, cette coterie des extrémistes, hein, souvenez-vous, moi je parlerai après ce témoignage éloquent d'un survivant de ce massacre. Lui-même, il était là. Il est de là. C'est son village, c'est sauf. On a tué ses frères. Vous allez écouter, vous-même. Et puis si moi je parle, vous allez dire que non. Bon, je suis en train d'extrapoler. Maintenant, il doit parler lui-même. Il doit parler en swahili, afin que plusieurs puissent nous comprendre. Abari Mouze. Mouze Sal. Ah. Eh ben, qui m'a fait ça, à l'aise, Kabisa Mouze. Ok. Tu n'as pas de Kabisa ou Kopoké, Kabisa Mouze. Sal. Abari Amasiku. Mouze Sal. En tout cas, tu n'as pas de Kabisa ou tu m'as dit Kabisa ou Kweli à Mambo. Oui. Sababu, si, si, M23, tu n'as pas de Kweli. À toi, si ou à Raïa. Nous ne pouvons jamais tuer la population. Ce sont nos frères et nos sœurs. La plupart de nos militaires, mais c'est leur contrée, c'est leur village. Nous ne pouvons pas tuer dans le village de nos militaires. C'est impossible, quasiment impossible. Donc, ce sont des médias de mensonges. Ce sont des personnes mal intentionnées dans la société civile, des extrémistes qui veulent nous diaboliser. Enfin, de présenter au monde, de relayer aussi avec le propos du gouvernement. Donc, nous sommes des terroristes, selon un entre guillemets. Nous avons massacré, voyez. Mais ce dont vous nous accusez, vous ne pouvez pas nous prendre là-bas. Non, nous sommes ailleurs. Nous ne sommes pas dans de telles histoires. Nous ne pouvons pas tuer jamais. Jamais nous pouvons tuer la population. Mouze, vous avez ma nassoyeli, pour l'épaule, tout ce qui est mouzouri, Kabisa. Vous avez ma dinalako. Oui, vous êtes une pour l'épaule. C'est Mounatoka. Et on a fait un Kazigani, chef de localité à Koninani. Kitugani, Ilipita, Ilesiku. Ya, wepi kutasema ile siku, utasema ile saa, ilikuwa namuna gani, dunia, na watu watakutafuta, wamwambie ukweli ya mambo gisi ilikuwe. Juu batu, wasiseme bongo, basi wavalishe batu wengine maneno haistahili. Yeah. Tunakupatia parole. Bo, naitwa kwa jina la Anatole Sahunkuye. Je m'appelle Anatole Sahunkuye. Nilikuwa asubuhi, tukaona mtoto anayeitwa Nyawa. C'est tellement très tôt matin, nous avons vu un enfant qui s'appelle Nyaba Nzamouye. Il est venu nous dire on a tué 5 personnes. Le premier, c'est Rwango. Le deux, c'est Gakara. L'enfant de Munyamashara. Nous les avons demandé, nous avons demandé. Qui les ont tués? Ils ont dit clairement, c'est le FDLR qui les ont tués. Nous n'avons jamais entendu le crépitement de balles M23 de leur côté là où ils étaient. Bon, à un certain moment, le M23 est venu pour chasser cet ennemi. La famille est venue récupérer les cadavres. Aujourd'hui, tout est calme, il n'y a rien. Chef de localité, Deo Bitegeka. Le chef de localité s'appelle Deo Bitegeka. Il connaît très bien cette situation. Il a dit, il ira voir ces cadavres. Moi, j'ai dit, ils doivent d'abord voir les autorités pour les expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste. Ok.
Donc, d'ailleurs, Bitekeka, le chef de localité. Il est copain. 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 Il connaît très bien la situation. Alors, Emmanuel Bitekeka, Nina. Donc, c'est Emmanuel Bitekeka qui fait l'intérim de son père, okay. Puisqu'il est tellement devenu vieux. Mais tous ces deux sont là. Sont sur place. Mouzé, tenez pour l'épaule et parle. Du batou anasema, banata tchafoula M23. Tenez pour l'épaule et parle. Yassa, ou tamambia bakajin bitugani. Population, dio komu tu apale, ou tamambia population bitugani. Minambia population bakouye, hakuna fouye. Je demande à la population de revenir, il n'y a absolument rien. Hakuna shida, hakuna population, tchenjiki na koula, hakuna. Bakouye kabis. Je demande à la population de revenir. Ça va. Ok, Mouzé, je vais vous expliquer ce que vous avez en français. Mes frères, ça ne vaut pas la peine de chercher à diaboliser les M23. Mais vous êtes, il y a des journalistes d'investigation. Venez faire des investigations, venez voir. Nous ne pouvons pas massacrer cette population. Nos militaires, leurs parents se trouvent là-bas. Donc, tout ce que vous dites, c'est de l'extrémisme. Mais ça, nous ne sommes pas étiqués de cela. Mais ce que les FDLR continuent de faire, pour dire que non, c'est le M23. Ils ont fait ça depuis longtemps. Au Rwanda, ils ont tué combien? Ça ne peut pas nous étonner. Mouzé, il y a une population qui parle. Où le chef Emmanuel Bitekeka a l'ipinga koutoumikana. A l'ipinga kabis. Koutoumikana ba FDLR. Oui, a l'ipinga. Je m'en avais pas n'a quoi battu yaki. Alipinga kabisa. Alikata la kutumika na. Tala bien. Mouze, batu ba kutumika na FDLR, ni batu bana la iniwa. Donc, le chef, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef Emmanuel Bitekeka a refusé de travailler avec le FDLR. Il est là, il a refusé catégoriquement. Son numéro de tel, vous allez l'écouter aussi. Il a refusé de travailler avec le FDLR. Non. Pauvre. Se venger, pour le punir, ils sont allés tuer sa population. Maintenant, ils diront que c'est les M23. Maintenant, la société civile directement a écrit. Il y a 13, d'autres, on parlait de 13 morts, d'autres ont parlé de 20 morts, d'autres ont parlé de massacres de tout un village, de beaucoup de choses. Tout ça, ils essayent un peu de coudre. La vérité par de fil blanc. Mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Donc, vous savez, le F de l'heure, c'est leur métier. Leur métier, c'est quoi? C'est donner la mort. C'est leur spécialité. Mais là où nous sommes, nous les M23, ils vont échouer. C'est cela que nous avons demandé, même aux FRDC, qui sont nos frères, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous de ces gens. J'ai dit ça. C'est comme un exemple, je vous ai dit. C'est comme dans la Bible, Jonas était dans les bateaux. Il fallait jeter Jonas pour qu'il y ait la paix. Jetez les FDLR dans la mer. Jetez les FDLR loin de vous. Et vous aurez la paix. Ce sont des gens maudits. Ce sont des gens qui ont le sang de leur frère entre leurs mains. Ça, Mouzé. Qui tu m'as dit, Nidjou et Kabisa, depuis tout le coup,